Salut à tous! Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va rebosser sur une Chrysler 300C. Donc ça, c'est un véhicule que je connais très bien puisque j'en ai une. Et une des maladies sur cette voiture, c'est le catalyseur qui se fissure. Ça doit être un problème de conception, je pense, puisque il n'y en a quasiment aucune qui y réchappe. Et ça, bien sûr, en concession, ils ne vous le réparent pas. C'est changement du catalyseur direct. Et ça coûte une fortune. Quand je dis ça coûte une fortune, c'est réellement une fortune là-dessus parce que vous allez voir la taille du bordel. C'est juste. C'est hallucinant. Il est immense. Hein. C'est un gros morceau, quoi. Hein. Le fait que le catalyseur se fissure ne gêne en rien le bon fonctionnement du véhicule. Le souci, c'est que le catalyseur, c'est un V6 qu'il y a là-dedans. Donc le turbo, il est à l'arrière du moteur. Et la sortie d'échappement se fait par le côté passager. Et le catalyseur, il fissure à cet endroit-là. Et bien sûr, à cet endroit-là, il y a aussi le filtre d'habitacle, donc l'air qui va dans l'habitacle, qui se situe à cet endroit-là. Ça fait qu'on a souvent des odeurs très désagréables de bon vieux mazout. Et ouais, bah comme dit, c'est pas très agréable. Donc on va voir ensemble comment démonter ce catalyseur et puis le réparer. C'est pas une opération compliqué en soi, mais c'est hyper chiant parce qu'il y a des gros problèmes d'accessibilité. Il y a énormément de sondes dessus à défaire aussi. Et puis je pense principalement aux deux vis qui font la jonction. C'est une bride donc entre qui a la jonction entre le catalyseur et le FAP qui subissent toutes les intempéries, qui chauffent énormément puisqu'un FAP ça chauffe énormément. Et ces vis-là, 9 fois sur 10, vous mettez un coup de clé et puis elle claque direct. Hein. Là, ça fait 2 jours que j'ai la voiture, je les ai broussées, ça fait 2 jours que je les imbibe de WD-40. J'espère que ça va me sauver la mise. Enfin, on verra ça ensemble. Donc, j'ai rien de plus à ajouter. Hein. Il reste plus qu'à se jeter dans la gueule du loup. Hein. Bon, bah, c'est parti. Donc pour déposer le catalyseur sur cette voiture, bon déjà vous enlevez le cache moteur, hein, il est là, il est sur le côté, c'est juste clipsé, il n'y a rien de sorcier. Et après, ça se passe à l'arrière du moteur côté passager. Voilà. Donc on a ici dans le fond que la lampe elle veut bien rester en place. Là dans le fond, au bout de mon doigt, un collier donc qui tient le catalyseur sur la sortie du turbo. Il faut de la douille E, donc du Torx inversé. Ensuite, on a ici au fond, on la voit bien au milieu là, une sonde. Alors celle-ci, en général, elle est serrée assez fort. On a beau mettre la clé par ici, il n'y a pas assez de place pour desserrer ou pour mettre un tube dessus ou quoi que ce soit. Donc celle-ci en général moi je la laisse dessus et je la dépose une fois que le kata il est descendu. Donc là on aura un meilleur accès. Alors je sais pas si on arrive à voir ici, il y a une réparation qui a été tentée avec de la pâte à peau là, mais bon ouais, ça c'est pas pérenne, ça tient pas ça hein. Il y a également une pâte très difficile d'accès. Puis d'ailleurs là, celle-là, elle va même pas m'embêter parce que je. Est-ce qu'on le voit? Je sais pas si on le voit. C'est en plein milieu, on voit bien. En plein milieu, là, on voit bien le bout de tige filetée. Et en fait, il n'y a pas d'écrou dessus. Donc soit ça a déjà été démonté, l'écrou n'a pas été remis. Ou alors l'écrou a été perdu. Donc dans tous les cas, il faudra remettre un écrou au remontage. Mais bon, c'est toujours ça de moins à enlever. Donc, on a fait le tour par au-dessus. Donc, je lève la voiture et je vous montre par en dessous tout ce qu'il faut Donc, en déposer. dessous de la voiture, bien sûr, il faudra dégarnir les différents caches moteur. Donc là, sur celle-ci, on voit qu'il y a une belle fuite d'huile. Donc ça, c'est au niveau de la jonction moteur-boîte. Donc, c'est le refroidisseur d'huile. Un grand classique sur cette voiture. Et bon, on s'occupe pas de ça pour l'instant. Donc du coup, on a notre catalyseur qui descend ici sur le côté. Donc on a une deuxième sonde ici, donc très facile d'accès.
à dévisser. On suit le tube. Est-ce qu'on voit là-haut? Je sais pas si on le voit là-haut, la pâte avec la vis qui manque. Bon, enfin bref, je vous l'ai montré par en haut. Donc rien de sourcier. On suit le tube. On a ici une grande pâte de maintien. Donc qui tient avec le support de boîte. Donc deux vis là-haut. Ça doit être 15, 16, 17 par là. On a ici une sonde et là aussi, juste à côté, une petite bride ici à enlever, donc qui tiennent les deux tuyaux, donc qui fixent avec la pâte qui est sur le catalyseur. Donc oui, il faudra désolidariser les deux tuyaux. Et enfin, le plus galère, c'est les deux vis de la bride, donc qui lie le cata au filtre à particules. Alors ces vis-là, en général, quand on essaye de les enlever, ben les trois quarts du temps, ben, elles claquent. Ça arrive très souvent. Si jamais ça arrive qu'elles claquent, ben comme c'est des goujons, donc il faudra bien sûr percer, chasser le goujon et remettre vis et boulon neuf. Donc il y en a une là et une de l'autre côté, en haut là. Donc comme vous le voyez, elles sont déjà imbibées de WD-40. J'ai la chance d'avoir la voiture chez moi depuis 2 jours. Donc dès le début, je les ai brossées, brosse métallique, et je les ai aspergées de WD-40 en prenant soin qu'elles baignent continuellement là-dedans. Donc j'espère qu'elles vont s'ouvrir sans trop de soucis. Ça m'avait bien réussi à l'époque quand j'avais démonté les catalyseurs sur la chargeur où les vis étaient bien abîmées aussi. Et du coup, j'avais réussi à les enlever sans les péter. Je vous remets la vidéo en haut à droite, là, au cas où. Donc, j'espère que ici, ce sera pareil. Voilà. Donc là, je pense que j'ai fait le tour de tout ce qu'il faut démonter. Donc là, on va ressortir. Je vais redescendre la voiture. Et puis, ben, on va commencer par enlever le collier qui lie le cata au turbo, là-haut. Ensuite, on la remontera, et puis bien sûr le cata, lui, il sort par en dessous, hein. Impossible de le sortir par au-dessus, hein. Vous verrez, vous voyez bien, c'est vraiment une grande pièce, hein. Donc elle part de là, elle suit le long, là il y a le catalyseur, ça remonte, il y a le pré-cata en haut, puis le coude qui va au turbo, donc c'est un gros morceau, quoi. Allez hop, on redescend tout ça, et puis on attaque. Allez hop, c'est donc parti, donc le collier qui tient le cata au turbo, ça s'ouvre très bien. Ah, bien sûr, ça ne s'enlève pas à la main. Ça aurait été trop beau. Voilà. Donc là, on a retiré cette vis-là. Alors le collier, souvent il suffit juste de le... Ta merde, j'ai la caméra devant. Hop. Avec un grand tournevis, le débloquer. Si j'y arrive. Là, je n'y arrive pas. Voilà. Donc la partie haute, elle est débloquée. La partie basse, elle est encore coincée. Là, je pense qu'il faut que j'y mette un petit coup de marteau. Je vais rendre le grand tournevis du coup.
C'est un système d'olive comme ça, alors c'est un petit peu serti quoi. Hein. Voilà. Il suffit juste de le choquer un tout petit peu. Et puis ça s'enlève. Alors le collier, on l'ouvre et puis on le glisse bien sûr vers le côté turbo quoi. Alors pour l'avoir fait une paire de fois, je peux déjà vous dire que à enlever ça va, mais à remettre ça va être une tannée. Hein. Ça c'est clair. En plus là j'ai la caméra juste devant. À mon avis pour le remettre, je pourrais pas vous le faire. Je pourrais pas vous prendre avec moi. Hein. Enfin bro. Donc là voilà. Là il a bien du mou et je l'ai bien mis côté turbo. Donc logiquement il y aurait la petite vis ici, donc on accède difficilement par au-dessus, sinon par en dessous quand on arrive bien à passer sous la voiture. Donc moi je n'ai pas à l'enlever puisqu'elle n'est plus là. Donc du coup ben je vais lever la voiture et puis on va attaquer en dessous. Bon, on va commencer par la sonde à l'avant. Donc ça c'est du 17. Alors le mieux c'est de se munir d'un marteau et juste lui mettre un petit coup. En général ça s'ouvre relativement bien. Voilà, nickel. Voilà, je sais pas qu'il y a déjà eu un souci, celle-ci elle a déjà été rafistolée hein. Donc je vais pas trop la manipuler parce que je vois que les câbles ils ont été il y a du scotch autour. C'était pas moi. Je dis, je n'y touche pas, on va laisser ça comme ça. Tiens d'ailleurs je vais la me foutre là-haut. Comme ça, on est sûr de ne plus y toucher et qu'elle ne nous embête plus. Donc, on a fini pour ici. Je vous mets en place là derrière. Allez, hop, comme je suis passé en dessous tout à l'heure pour regarder ce qu'il me fallait comme outil, je me suis déjà rendu compte qu'il y avait un truc bizarre puisque la vis là en bas, c'est du 12 et l'autre au-dessus, c'est du 13. Donc, je vais commencer par celle-là au-dessus. En général, celle-ci, elle subit un peu moins les... Ah zut, j'y arrive pas avec le... Elle subit un peu moins les intempéries. Donc en général, quand il y en a une qui claque, c'est celle-là en bas. C'est souvent. Allez, hop. Ah bah, voilà. Celle-là, elle s'ouvre. Elle s'ouvre. J'ai vraiment bien brossé et le WD-40 a fait l'effet. Hein, parce que j'arrive même à l'enlever à la main. Ouais, non, elle est pas trop abîmée. Ça va, celle-là en bas, là, elle a l'air plus abîmée. Mais là, c'est du 12. Bon, allez, hop, on y croit. Hein. Moi, j'y crois. Je veux y croire. Ah bah si, ça le fait. Oh putain, à la chance. Ah ouais. Nickel. Ah, je suis trop content. Ça fera du boulot en moins. Elle est quand même relativement abîmée parce que j'ai du mal à passer la clé dessus là. Elle s'enlève à la main. Impeccable. Ça c'est bon. Pour déboîter le. Pardon. Pour déboîter le kata et le FAP, faudra bien sûr rentrer dedans avec un levier, puisqu'il faut reculer le tout. Afin de dégager les goujons. Ensuite, on a une sonde ici. Donc, comme tout à l'heure. Le petit coup de marteau qui va bien. Voilà, nickel. Hop, elle s'enlève. Impeccable. Je vais la mettre là en haut. Comme ça, elle ne nous embête plus. On en a une autre là-haut. Pareil. Impeccable. J'ai de la chance. Tout va bien pour l'instant. Ah, celle-là, elle ne sort pas. C'est parce qu'elle est accrochée après le petit tuyau. Je vais juste
couper 2 secondes, changer d'angle de vue. Donc là, il faut défaire la petite bride ici. Oh, on voit pas bien, hein. Fait sombre. J'ai même pas pris la lampe. Enfin bref, de toute façon, je pourrais pas le faire et vous éclairer en même temps. Il y a la petite bride ici, donc qui tient sur le côté avec la petite vis de 8. Donc une petite douille ou comme moi une clé à œil à cliquer. Alors c'est une vis qu'on n'est pas obligé de défaire entièrement, juste la desserrer afin voilà, de qu'on puisse déboîter les tuyaux. Et là du coup j'arrive à sortir ma fameuse sonde là. Donc là je pense que j'ai tout enlevé, il me reste juste les deux vis là, donc qui supportent le... Oh zut. Ouais, qui tiennent la patte du kata. Ça, je sais même pas ce que c'est. J'ai du 17 avec moi, mais ça m'a l'air plus petit que ça. Ça doit être du 15 ou du 16, ouais, vue d'œil. Et après, il faudra désolidariser le FAP du kata avec un levier. Donc, je vais chercher 2-3 outils et je reviens. Allez, hop, je vous remets ici. Difficile d'avoir mieux, parce qu'il me faut quand même de la place pour bousser. Donc là, j'ai pris des leviers et puis on défait là au niveau de la bride là. Donc le mieux c'est d'en avoir deux, un pour ouvrir et un pour finir. Ouais. Par contre, j'aurais peut-être dû défaire les deux vis d'abord, histoire que le kata puisse commencer à descendre. Ouais, peut-être une meilleure idée. Voilà. Je le remboîte plus ou moins bien. Hop, je vous prends, je vous fais faire un petit demi-tour. Est-ce que là on voit? Hop, on voit pas, mais on devine. C'est l'essentiel, je vous avais montré tout à l'heure. Donc les deux vis là-haut. Donc c'est elles qui finissent de tenir le catalyseur. Hein. Donc on peut les enlever tranquille. Hein, il est tellement étriqué dedans qu'il ne va pas tomber. Hein. Il va juste bouger un petit peu, mais il ne va pas tomber. J'arrive à enlever ça à la main ou pas? Non, bien sûr que non, ça aurait été trop beau. Putain. Et là, le tout commence à descendre. Ah, je recoupe 2 secondes. Allez, hop, me voilà de retour. Donc, je vais essayer de vous pousser un petit peu, histoire que j'ai la place pour bousser. Comme ça, ouais. De toute façon, c'est difficile d'avoir une vue d'ensemble. J'ai oublié de préciser tout à l'heure. Prévoyez quand même tout de suite la clé de 22 pour la sonde de en haut. Puisque le... Bon, attendez, je vais vous prendre avec moi. Ça sera plus simple. Hop, avec une lampe. Le câble, il descend du long là. Bien sûr, il est attaché. Donc, pensez à couper le petit rilzant tout en haut avant. Là, c'est déjà fait. Il passe là devant. Donc, l'idéal, ça serait de débrancher le connecteur. Mais le connecteur, il est là en haut. Il est accroché, il est rempli d'huile. Il est au-dessus des durites de la direction assistée. En fait, moi, je les ai jamais débranchés. J'ai toujours descendu le catalyseur sans débrancher ce connecteur. Et puis, je vous montrerai tout à l'heure, on arrive à... Le câble est assez long pour enlever la sonde sans être obligé de débrancher cette sonde. On peut tourner la sonde, le câble, il va se torsader, mais on force pas dessus, il est assez long.
Et puis pour le remettre, ma foi, ça sera pareil en sens inverse. Donc là, tout est prêt. Mon câble, il y a du mou. La sonde, elle est là-haut. On la voit là. Pourquoi on la voit? On doit la voir. Tout est enlevé. Donc, et ma clé est prête. Donc on peut y aller. Si je vous laisse ici comme ça, ça devrait peut-être le faire. Je ne sais pas. On verra. Donc déjà, hop, lui, il monte. Voilà. Donc là, ça ne veut pas venir. C'est accroché en haut quelque part au niveau du turbo. Ah putain. Ah, c'est toujours la merde. Ou c'est la petite pote là qui me pose problème. Bon, ça veut pas. Pourquoi ça ne veut pas? Ah oui, je vois. Je coupe tout, je redescends. En fait, il y a le collier en haut qui s'est remis sur... merde, sur la bride du catalyseur. Donc là, je coupe, on va redescendre la voiture. Et voilà. Puis, bon, pas qu'on voit, le collier, en fait, il s'est remis sur la bride du catalyseur. Donc en fait, voilà. Et là, je sens bien que il s'est déboîté. Il est descendu. Donc en fait, là, il tient juste encore avec la petite vis. Donc je vais me dépêcher de le remonter. Enfin, de remonter la voiture et de repasser en dessous. Et là, on devrait pouvoir le déposer. J'espère juste qu'il ne va pas se péter. Je vous laisse ici. Moi, au moins, ça ne sera pas dans mes pattes. Et puis il y a une meilleure vue d'ensemble. Donc maintenant, logiquement, voilà. Et là, on peut le descendre. Vous voyez. Et puis comme je vous le disais, hein, bah, vous voyez, s'il tombait là, en fait, ça m'arracherait la sonde. Donc maintenant, il faut que j'enlève cette sonde. Parce que je ne peux pas la débrancher. J'ai déjà essayé plusieurs fois, hein, je sais pas ce qu'il a ce connecteur là, mais c'est toujours délicat. Vous êtes un petit peu à l'envers, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est la clé, le marteau. On choque la sonde, elle doit pouvoir s'enlever. Alors là, l'idéal, ça serait d'être à deux, parce que si ça me glisse des doigts, c'est un peu mort. Ah non, c'est bon. Donc là, elle s'est débloquée. Et là, maintenant, je vais vous faire un demi-tour. Hop. Le but du jeu, c'est de la démonter. Alors, il n'y a pas de... Quand on va tourner, le câble, il va se torsader. Mais comme il est très, très long, on a assez de mou, en fait. Et pour le remettre... Ce sera pareil en sens inverse. Voilà, vous voyez, elle est enlevée. Après, quand il faudra la remettre, il faudra bien sûr penser à torsader le câble avant de la revisser. Comme ça, quand on y finit de revisser, le câble il sera de nouveau sa position normale. Donc la sonde, je peux la laisser pendre. Et le kata, bah, ma foi... Je sors tout ça et puis on se retrouve dehors à la lumière du jour. Ah, donc là, je peux vous montrer l'étendue des dégâts. Donc il est fissuré là, il est fissuré le long de la patte là. Alors bien sûr, il est fissuré là. Donc le gars, il a mis une espèce de colle mastic qu'il faudra faire sauter. La patte, de toute façon, je vais la histoire de bien fermer ici. Je sais pas si on voit là, je peux le bouger en fait. Elle est entièrement désolidarisée, donc la fissure elle est en dessous, donc la pâte il faudra bien sûr que je la coupe.
histoire de faire le trait de soudure là en dessous. Et de l'autre côté, il est intact. Donc en fait, je pense même pas que je vais la couper, histoire de garder sa position, comme j'ai un trait de l'autre côté. Je vais peut-être juste la lever de 2-3 mm. Ça va me permettre de passer en dessous avec ma baguette, fermer le trou, fermer là-devant. Et puis après, je la rappuie et je la ressoude. Au moins, elle gardera sa position initiale. Et comme dit, ouais, ici, logiquement, il y avait une vis qui, ici, était absente. Je ne sais pas pourquoi. Bon, assez bavardé. Je vais déjà attaquer à faire sauter ce mastic, hein. Donc là, je vais travailler un petit peu hors caméra, hein. Je ne sais pas comment je vais enlever ça. Parce que ça a quand même bien durci. Par la meuleuse, disque à lamelle, ou je vais me débrouiller, je vais meuler ça. Je vais faire tout ça hors caméra. Et une fois que c'est prêt pour la soudure, ben je vous reprends. Bon, au final, c'était un petit peu plus grave que ce que je pensais. J'ai quand même dû couper la pâte. Puisqu'en fait, la pâte, elle vient comme ceci. Et vous voyez que c'était tout fissuré en dessous avec carrément un morceau qui s'est barré. Donc on va remettre ce morceau en place. On va le ressouder en place comme ça. Et puis j'ai coupé la pâte, j'ai coupé bien droit. Donc je ne devrais pas avoir de soucis à la remettre en place comme il faut. Donc en plus de ce morceau à rajouter, donc il y a une fissure qui part vers là. Là du coup on la voit bien. Et puis peut-être on voit un peu moins bien ici. Il y en a une autre qui part comme ça. Et le reste pour l'instant c'est intact. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a une double paroi en dessous, mais ça n'empêche pas que des gaz s'échappent par là, et forcément dans l'habitacle c'est très désagréable. Donc je vais m'occuper à souder ça. Donc ça, je vais pas le filmer, hein, ça sert à rien. De toute façon on peut pas filmer une soudure, on ne va rien voir. Donc je vais souder ça hors caméra. Et puis je reviens vers vous une fois que c'est fini pour vous montrer le résultat. Bon ben ça y est, la pâte elle est ressoudée, donc j'ai peint avec de la peinture haute température, hein. Donc pour ceux que ça peut intéresser, pour la soudure j'ai utilisé un post-inverter avec des baguettes de 1,6 mm et j'ai soudé à 20 ampères puisque ça reste quand même de la tôle relativement fine. Voilà, donc ça le fait, hein, et j'en suis pas à mon coup d'essai, c'est pas le premier que je ressoude, et puis ça tiendra très bien. Voilà, donc bah, reste plus qu'à remonter tout ça. Bah on est parti, hein. Donc avant toute chose, pour le remontage, ben, il s'agit de remettre la sonde en place. Donc, comme on l'avait. Comment je vais faire ça? Comme ça. Comme on l'avait tourné pour la défaire, ben, en fait, on va la vriller avant de la remonter. Comme ça, une fois qu'elle sera en place, elle aura la bonne position. Donc, il faut que je tourne le câble dans ce sens-là. Je vais faire. Je pense 5-6 tours, ça devrait le faire. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ah, j'aurais dû en faire plus. Donc là, j'en ai fait 5, donc je vais en faire 7. Donc, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pas très orthodoxe comme méthode, mais ça fonctionne. Voilà, là on est bien. Et ne vous inquiétez pas pour le câble, hein, c'est pas, il est très long, hein, donc on peut le tourner 7 fois sur lui-même sans risque de l'abîmer, hein.
Donc celle-là, on la resserre. Voilà. Donc là, c'était la partie facile. Maintenant, la partie difficile, c'est de remettre ça en place. Alors, pour être honnête, c'est la première fois que je le fais tout seul. Puisque d'habitude, j'ai toujours quelqu'un qui m'aide. Donc, quelqu'un en bas et quelqu'un en haut qui dirige le pré-cata vers la sortie du turbo. Donc là, je vous garantis pas que je vais y arriver. Mais je vais essayer. Hop. Donc, je ne sais pas du tout. Voilà, là déjà j'ai passé la petite vis dans la pâte là. Et en fait maintenant je vais. Merde, c'est déboîté. Allez. J'aimerais bien mettre les. Voilà. Là, j'ai les goujons du FAP qui se sont mis dans la bride. Et en même temps, je vais déjà mettre une vis du support de la pâte là. Voilà. Juste à faire prendre. Je vais même faire prendre les deux, je vais pas me gêner. Mais c'est vraiment que sur 3-4 tours de filet. Histoire de garder pas mal de jeu. Et ouais, donc là, c'est encore en place, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, on va repasser au-dessus pour essayer de mettre la bride au niveau du turbo. Ça, en général, c'est assez rock'n'roll. Allez, hop, c'est parti. Hop, nous voilà au-dessus. Donc, je vous montre vite fait comme ça, parce que la voiture, elle est grande. Le seul endroit où vous pourriez éventuellement voir, c'est quand je mets le trépied de la caméra ici. Et malheureusement, moi, je suis obligé de me coucher sur l'aile, là, pour accéder au collier, ici. D'un autre point de vue, vous ne verriez rien. C'est assez difficile à dire, ça, hein. C'est difficile à voir, voilà, ça c'est plus simple. Donc j'ai de la chance parce que finalement là il se présente quand même relativement bien en face. Donc je pense que je travaille d'une main là. Non mais je pense qu'il va bien se mettre parce que souvent c'est ça le plus difficile, c'est de faire prendre ce collier là. Mais là, j'ai besoin de mes deux mains. Et bien sûr, ça, je peux pas vous le filmer, hein. Donc, je vais m'en faire à mettre le collier en place, là. Ça devrait pas poser trop de difficultés majeures. Parce que, comme dit, hein, c'est vraiment... Ils sont vraiment bien en face l'un de l'autre. Donc, ça devrait vraiment se faire tout seul. Et puis, ben, je vous reprends juste après pour le serrage. Allez, hop, je vous mets ici. Franchement, il s'est vraiment mis en place tout seul. J'ai vraiment eu du bol sur ce coup-là. Parce que j'ai déjà souvenir de certains où j'ai vraiment galéré. Hein. Et puis, on était à deux. Hein. Un en haut et un en bas. Donc là, je dois avouer que sur ce coup-là, j'ai vraiment énormément de chance. Donc, ce que je vais faire là, je vais déjà approcher la vis au maximum. Dans un premier temps sans trop la serrer, c'est juste histoire que le collier ne puisse plus se barrer. Et puis hop, j'essaie de vous montrer. Donc là, est-ce qu'on arrive à voir? Putain, c'est vraiment pas évident là derrière. J'arrive à le tourner encore. Par contre, la bride, tout est pris, donc le pré-cata ne peut plus se barrer, c'est juste impossible. Donc je laisse ça comme ça. De cette manière, j'ai un petit peu de mou. Et puis là, on va repasser en dessous. Et puis on va tout fixer en dessous. Et puis on reviendra là en haut pour finaliser le serrage. De nouveau en dessous. Donc dans un premier temps, je vais déjà commencer par mettre en place l'écrou.
de la pâte en haut, donc qui était manquant. Donc ça, je ne peux pas vous le montrer, c'est vraiment tout en haut, mais on y arrive en passant la main. Bon, c'est possible que je passe devant, mais pas trop le choix. Voilà. Hop. Donc pareil, je les fais prendre sans le serrer pour l'instant. Ensuite, la sonde qu'il faut pas trop tripoter là parce qu'elle est rafistolée. On la remet en place. Voilà. Un petit coup de serrage. Hop. Voilà. Ensuite, on peut passer derrière. Donc par là. Ouais. Je coupe, je vais vous déplacer. Voilà. Donc là, on se retrouve ici. Donc là, je vais dans un premier temps approcher mes vis au niveau de la bride là. Et celles-là, en fait, elles n'ont qu'une position possible. Donc, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Donc, c'est pour ça que je commence par serrer celle-ci. Bien sûr, je n'arrive pas à les approcher à la main. Ça va être trop beau, hein, c'est comme d'hab. Voilà, et de une. Donc ça, on peut les serrer. Deuxième. Voilà. Couple de serrage assez fort. Hop. Un petit déplacement par ici. Pas beaucoup de place là en dessous pour nous tous. Hein. Ouais, donc là on est ici. Donc je vais déjà remettre les écrous de bride là. Que je pense qu'on peut même serrer. Hein. Il n'y a rien qui ne l'empêche. Là, pas besoin de serrer comme un fou furieux non plus. Hop, le deuxième là derrière, au-dessus. Je vais l'approcher à la main. C'est les vis les plus pourries en fait que j'arrive à tourner à la main. Dingue quand même. Voilà. Là, on fait un serrage modéré, hein, sans plus. Hein. Pas grand-chose à tenir. Ensuite, tant qu'on est là, on peut remettre cette sonde-là. Donc ça, c'est le... C'est pas une sonde, ça, en fait. Hein. C'est juste un tuyau. C'est pour le capteur de pression différentielle. C'est pour la gestion du FAP. Hein. Donc si jamais vous n'arrivez pas à déboîter... à déboîter, à desserrer cette vis-là, vous suivez la durite, et au bout, elle est emboîtée dans une durite souple. Donc vous pouvez la déboîter là, hein. C'est vraiment que de la durite, il n'y a rien là-dedans, hein. C'est que de l'air qui passe. Hein. C'est pour la pression en fait. Il faudrait que je serre, mais j'ai perdu ma clé. C'est bon, j'ai retrouvé. Voilà, parfait. Ensuite, on a celle-ci. Voilà, donc qui vient ici. Pareil, un petit coup de serrage. Parfait. Après,
Je vous remets, hop, comme ça, là derrière. Est-ce qu'on voit quelque chose? Non, pas grand chose. Hein. Ça, c'est vraiment délicat. Hein. Je vais vous montrer comme ça, vite fait. C'est la petite bride là. Oh putain, on voit rien du tout là. J'ai pas pris de lampe. Enfin bref, ouais, la petite bride là avec qui tient les deux tuyaux. Donc avec la petite clé de 8. C'est merde, c'est ça à remettre. Hop. Faut pas être claustrophobe. Hein. Donc un tuyau au-dessus, un tuyau en dessous, qui bien sûr ne veut pas. Ça m'aurait donc pas étonné. On va faire l'inverse. On va mettre en dessous d'abord. Au-dessus. Voilà, impeccable. Et on serre. C'est là que c'est pratique, les petites clés à œil à cliquer là. Alors qu'on arriverait aussi avec un petit cliquet, une petite douille de 8. Mais bon, là c'est quand même plus pratique si on se la prend pas dans la gueule. Reste parmi nous. Allez hop. Voilà, pas grand chose à serrer, les tuyaux ils sont sertis, c'est l'essentiel. On a fini en dessous, je crois bien. On va juste retourner devant, donc on va finaliser le serrage de l'écrou de la petite patte, l'écrou qui était manquant là. Donc je coupe 2 secondes. Donc là, j'ai mis une vis neuve et c'est du 13. Voilà, celle-là, elle est serrée. Donc on a totalement fini en dessous. Donc ce que moi je vais faire hors caméra là, je vais remettre les caches sous moteur là, histoire que j'ai plus à passer en dessous après. Bon là, rien de sorcier, hein, c'est des clips des vis. Hein. Si vous attaquez un chantier comme ça, vous n'avez pas besoin de tuto pour défaire un cache moteur. Hein. Donc je remets les caches moteurs, j'abaisse la voiture. Et on se retrouve au-dessus pour le serrage final du collier. Hop, ah bah c'est parti. On a fini en dessous. Hein. Donc j'ai tout remonté. J'ai mis les caches moteurs. Bien sûr, la sonde à l'avant, là. N'oubliez pas, on avait coupé un rilsan au début pour la démonter. Donc ne pas oublier d'en remettre un. Sinon, le câble il se promène un petit peu. Ça risque pas grand chose en soi, mais bon, on ne sait jamais. Donc, on a tout fini en dessous, tout est serré. Il ne nous reste plus qu'à finaliser le serrage du collier, là. Voilà. Hop. Et voilà. Et rends-moi ma douille. Allez. Hop. Et puis, c'est bon. On a fini. Hop. Voilà. Juste encore remettre notre petit cache moteur. Juste clipper, hein. Voilà, et c'est fini, et c'est reparti pour un moment. Bon, ben ça y est, c'est réparé, et tout est remonté. Donc, je suis très content parce que ça s'est vraiment très, très, très bien passé.
J'en ai réparé des catalyseurs sur des 300C, j'en ai fait une paire, et croyez-moi, ça s'est jamais aussi bien passé que ici. Si c'est pas les vis au niveau de la jonction frappe, cata qui claque, c'est une sonde qui veut pas se débloquer, ou alors ça m'est déjà arrivé une sonde où en fait, quand on dessert, on emmène le filetage avec, ou très souvent aussi, ça m'arrive très souvent qu'au niveau de la jonction pré-cata turbo, ça ne coïncide pas, hein, donc c'est toujours mieux quand on est à deux, hein, donc si vous pouvez vous faire aider dans cette opération, faites-vous aider, un qui guide en haut, un qui guide en dessous, ça sera toujours plus simple, hein, parce que c'est vrai qu'ici tout s'est bien passé, mais c'est rarement le cas, j'ai vraiment eu du bol sur ce coup-là, hein. Enfin bref, tant mieux pour moi, hein. Donc j'ai rien de plus à ajouter, hein, donc si la vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir, pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, n'oubliez pas d'activer la petite cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Et puis comme d'hab, hein, tous les outils que j'ai utilisés, je vous mets les liens en bas en description. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!